Salut les escrocs, c'est Seven. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saison One Life. Suite à des suggestions de certains d'entre vous, je vais essayer de faire un épisode entre guillemets full RP. C'est pas du tout mon style de gameplay, c'est pas du tout mon style, j'ai pas du tout l'habitude. Donc je vais essayer de faire quelque chose de correct, enfin j'espère, puisque j'enregistre sans filtre, puisque si on meurt, on meurt, évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur ce type de gameplay, sur ce type de narration. Voilà, c'est pas vraiment, je le répète, mais jugez pas le RP parce que c'est vraiment pas ce qui m'a, enfin, ce qui me botte le plus. Donc on va essayer de faire quelque chose de correct. Allez, très bon épisode à tous et longue vie. Longue vie. Let's go. Oh, bon. Cher journal, je me réveille aujourd'hui à l'aube du troisième jour et j'ai encore en tête le meurtre qu'on a effectué en bas de la rue. Le cadavre a été dévoré par les zombies et il est vrai que je m'en veux quand même un petit peu même. Voilà, je me sens un peu reposé. Néanmoins, il faut que j'aille découvrir, continuer à explorer cette ville. On a besoin de vivre, j'ai besoin de plus d'armes, j'ai besoin de me sentir mieux en sécurité. Et j'espère qu'aujourd'hui, je n'aurai pas à croiser le fer, si je puis me permettre. Je ne sais pas qui tombera sur ces notes. Et si vous tombez dessus, c'est probablement que je suis mort. Mais la vie n'est pas vraiment, vraiment pas facile. C'est stressant, c'est dangereux, c'est différent. Tout n'était pas comme ça avant. Et j'ai beaucoup de mal à me sentir en sécurité. Le moindre bruit me fait peur. Je ne sais pas si je suis seul, je ne sais pas si on est plusieurs. Je ne sais pas comment se déroulera ma prochaine rencontre. Est-ce qu'ils sont amis ou hostiles? Je sais pas. En tout cas, il faut que je sois prudent parce que le dernier n'avait pas l'air si sympa que ça. Allez, je préfère laisser un minimum de traces derrière moi. Je sais pas ce qui il peut se passer. Donc on va aller explorer. On est parti explorer. Et il faut vraiment que je trouve une arme à feu, quelque chose de plus rassurant que ça. Rappelez-vous, je n'ai à peine qu'un carreau, deux carreaux d'arbalète. C'est tellement peu. Je peux vraiment pas louper ces tirs, faut que je fasse vraiment attention. Allez, j'espère que ça va bien se passer.
Oh les amis, j'ai dû faire une petite coupure pour le branchement du pulsomètre. Let's go. Pour le moment, ça a l'air assez calme, j'ai entendu aucun bruit. Quoi, ça pourrait me servir d'écran, je vais quand même les prendre. Profite qu'il fasse jour pour sortir. C'est vrai que la nuit, je préfère rester dans mon appartement là-haut. Je vais peut-être sortir de la ville, rôder autour. Non, allons voir les souterrains. Je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes à fouiller ici. Puis nous partirons un peu explorer les alentours. Faut que je trouve des plumes. Oh. Vous savez ce que ça veut dire ça? Quelqu'un est passé dans les souterrains. Le fait qu'il ait laissé la porte ouverte me donne une indication sur son passage. Peut-être récent. Sois prudent, je vais essayer de faire un minimum de bruit. J'espère que quelqu'un ait laissé à l'abandon un pistolet, un fusil, quelque chose. Tout est bon à prendre. Je vous avoue que je me sens pas en sécurité. Est-ce que vous vous rendez compte que ça veut dire que quelqu'un est passé juste à côté de chez nous pendant qu'on dormait probablement. Je préfère pas imaginer. J'hésitais à tout refermer derrière moi, mais je vais laisser ouvert. Peut-être que si. S'il repasse dans le coin, il aura peut-être un peu peur. Je dirais que quelqu'un est passé, mais tout est ouvert ici, là. J'espère vraiment pas tomber sur lui. Un drone.
C'est vraiment pas le moment. Je me demande si à terme il n'est pas plus facile de survivre caché dans une forêt. On n'a pas besoin, c'est tellement lourd à porter. Je pense pas qu'on trouve quelque chose d'intéressant ici. C'est peut-être pas le bon endroit pour trouver tout ça. J'entends des bruits, mais est-ce que c'est un humain? Est-ce que ce sont des zombies? Je préfère pas me poser la question. Tiens. Je vais me servir ça. Ça me fait rire quand je pense à Victoria qui me disait de faire le tri sélectif. Et je vois que le journal n'est pas dans la bonne poubelle. Ça me fait penser à elle. Ah, sacré Victoria. Ah, pour me casser les pieds, elle était là. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle me manque? Ça peut être génial ça. Ah, il faut qu'on les bichonne celle-ci. Essayez de pas les casser. Il n'y a rien de mieux pour espionner. Bon, je pense qu'ici pas de très très bon matériel à trouver. Ça m'a l'air plutôt dangereux en plus. Ça aurait été assez drôle de trouver un véhicule en état de marche ici quand même. Ce qui n'est pas totalement impossible. On va terminer un petit peu que. Et surtout me mettre dans un coin pour manger ces quelques provisions que j'ai trouvées. Des balles d'un ancien fusil. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, on peut même trouver le fusil. La chance. Ça fait bien longtemps qu'elle m'a pas souri. Je pense qu'il faut qu'on s'en aille. Oh, de l'argent. J'ai entendu parler de ces. Vous savez, de ces camps. Un petit peu retranché de brigands gardés par des milices qui vendent un petit peu du matériel probablement dérobé, pillé. Pas qu'un jour j'y aille avec quelques billets, voir ce qu'on peut s'offrir là-bas.
je préfère m'en aller. J'aime pas énormément l'ambiance qui règne ici. Nous avons quelques morceaux de viande, de... C'est malheureux à dire, mais de ce cadavre. J'ai tellement faim, j'ai vraiment pas le choix. Hein. Vous savez, si vous étiez à ma place, vous auriez fait peut-être pareil. Enfin, c'est même sûr. Vous auriez fait pareil. J'aille trouver un peu de bois. Je sais pas si on m'observe, mais je préfère pas prendre de risques. Un petit peu à l'écart. Je ne pas qu'on m'entende découper le feuillage. Bon. J'essaie de me rappeler comment on faisait à l'époque. Typique à brochette. Je crois que il me reste ça dans mes souvenirs. Faut que je me dépêche de manger cette viande avant qu'elle soit avariée. Et bien évidemment, je ne veux pas faire de feu. La fumée attirait forcément du monde. J'ai du mal à m'éloigner quand même de mon abri. C'est un petit peu comme ma nouvelle maison. C'est infect. Oh. Oh là là. Va falloir qu'on s'habitue à ça, sincèrement. Je regarde que personne n'arrive parce que c'est... C'est dans ces moments de relâchement qu'on... qu'on peut le plus regretter. Bon, bof, pas si mal au final. Hein. Ouais, je me sens un peu barbouillé, je pense que ça devrait passer avec le temps. Faut vraiment qu'on trouve quelques plumes, peut-être même tuer un oiseau. Pour des corbeaux, il me semble. Champignons, oh, pas de mal. Oui, un peu d'exercice, ça fait pas de mal. Faut dire que ça fait longtemps qu'on bouge pas de chez nous. Ouais, bon, c'est un peu de lait que j'avais trouvé dans le magasin. Ça me fera vraiment du bien. Cette ville est tellement grande et tellement dangereuse en même temps.
rester attentif au moindre son, au moindre mouvement, au moindre bruit. Je ne sais pas si je dois courir, si je dois marcher. On m'a toujours dit de rester immobile. Fait de nous une cible. Est-ce que ça voulait dire qu'il fallait que je cours quand même? Je ne sais pas. Bref, c'est mon instinct de survie qui parle. Courir, marcher, marcher, courir. Peu importe du moment qu'on survit. Je vais essayer cette petite paire de jumelles pendant que je récupère un petit peu. Ça fonctionne bien. Je pense qu'on s'est beaucoup éloigné, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de me sentir une sécurité dans la forêt, je sais pas pourquoi. Je sais même pas si on peut tomber sur des personnes serviables, des survivants serviables. Le moins, personne n'a élu domicile dans la maison. M'en éloigner, c'est pas notre objectif du jour en tout cas. J'aimerais qu'on repasse à l'armurerie, du moins essayer. J'aimerais surtout qu'on trouve quelques plumes. M'arrêter ici en hauteur. Bon, rien d'anormal. Je me rappelle les conseils de grand-père qui me disait en cas de guerre, ne cours jamais en plein milieu d'une plaine, c'est là où tu es le plus visible. Effectivement, c'était probablement pas une très bonne idée là. Bon.
Cette erreur ne nous aura pas coûté la vie pour le moment. Je sais même pas si quelqu'un lira mes histoires. J'espère le plus tard possible. Oh, aïe aïe aïe. Je suis blessé comme un idiot en sautant par-dessus la rivière, tout ça pour pas me mouiller les pieds. Qu'est-ce que je suis con! Depuis le temps que j'ai pas pris une douche, ça m'aurait pas fait de mal, quoi. Bref. Pas une bonne idée de courir avec avec ce gel là. Tiens, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit l'autre jour, tombé sur une carte qui m'indiquait un souterrain, un bunker militaire, serait gardé par des, c'est une légende, hein, visiblement, par des robots. Une puissance incroyable qui renfermerait de l'armement secret de qualité. Faudrait peut-être que qu'on essaye. C'est pas si loin, c'est pas si loin de là, il me semble. C'est à l'est. De revenir sur mes pas, vous savez, on a été passé il y a quelques temps déjà dans un lieu où il y avait quelques plumes et j'ai l'impression de ne pas avoir fouillé correctement le lieu. Et je reconnais. Je garde quand même les yeux grands ouverts parce que j'ai pas l'impression d'être tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis fatigué. Je pense que c'est tout ce stress, cette mauvaise nutrition qui me fatigue. Je me sens tellement faible. Ok. Je récupère un petit peu, je regarde l'horizon. Faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui aient la même idée que moi. Tout a l'air fermé par ici. Il nous en faut pas énormément, peut-être 4-5 plumes de plus, ça serait. Ça ferait l'affaire en plus. Reste une ici.
Visiblement, j'avais déjà bien fouillé la dernière fois. Et là, on a 4 plumes, ça devrait pouvoir déjà nous permettre de rater quelques carreaux. Ah, c'est parfait. Parfait, ça fera l'affaire. Ça me permettra d'avoir plusieurs carreaux du stock. Ah, il faut que je me repose, ça va pas là. Oh là là. Il est temps que j'aille dormir. Sincèrement. Tellement fatigué, mais. Faut vraiment que j'arrive à provisionner un peu. Ici à l'entrée de la ville, je suis un petit peu caché. Je pourrais pas avoir trop de soucis à faire mes carreaux. Arbalète. Oh, je suis désolé. Je pense que je vais faire un petit tour jusqu'à l'armurerie. Et puis on va trouver quelques lits, quelque chose pour passer la nuit. Parce qu'il se fait tard. Et je sais que là, côté réflexe, c'est pas trop ça. Quelle poisse! Je te rapproche de l'armurerie, je sais que c'est quand même un. C'est pas vraiment une armurerie, c'est. C'est des boutiques de chasse. Et comme je sais que c'est un lieu qui est très convoité, j'hésitais aussi énormément à y aller. Puisque ça peut nous être bénéfique comme très dangereux. Le danger peut venir de partout. Un toit, une fenêtre, un couloir, une rue. Derrière un comptoir, peu importe. J'ai pas très envie d'y aller, mais on a vraiment besoin d'une arme à feu. Et il me semble que la dernière fois j'avais mal fouillé. Un silencieux pour mon arc. Très bien ça. Quelques balles encore. Où sont les armes? Scorpion, on en avait parlé de cet arc. Les flèches sont assimilées à des tirs de venin. Parfait. Il sera pile poil.
Je vous avoue, je me sens pas du tout en sécurité ici. Ah, le couteau que j'avais perdu la dernière fois. Oh, une autre paire de jumelles, ça peut nous servir en stock. Des flèches, des balles. C'est parfait tout ça. Je peux vous dire que mon sac, c'est un sacré bordel. Hein. Encore un silencieux, super, de l'argent. Je vais mettre ces bottes toutes neuves, je peux faire. Tellement dangereux ici. Ce bâtiment en ruine fera l'affaire, je pense. C'est pas le moment de fouiller. Ah, ça c'est super. Un lit pour vous reposer. De sommeil, j'ai soif, je suis fatigué. Je suis fatigué, patron. Oh, je garde l'arme à la main, on sait jamais.